Les frérots, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien, l'ami. On se retrouve aujourd'hui pour un pack opening. On va s'ouvrir plein de packs que j'ai eu via mes récompenses Rivals, Playoff, Fut Champ, etc. Et on va essayer de choper du Fut Fantasy évidemment. Bref, c'est parti. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Allez, direction sur le jeu. On va commencer par les très nombreux choix joueurs 80+ que j'ai. Je crois que j'en ai une quinzaine. Donc on va s'ouvrir ça et puis on va espérer avoir du lourd. Allez, pour le premier, on reste ensemble et on va commencer avec bien de la merde, Zakaria. Pas grave, allez, on veut du lourd. Allez, on va tenter un petit autre pack pour celui-ci. Allez, pour l'instant, on n'a pas eu mieux que 83. Et bah voilà. Il suffisait de se plaindre encore une fois. Comme quoi, ça fonctionne souvent quand on se plaint sur le jeu. On a notre première animation. Petit David de Réa, 87 de général. Les grosses notes, je sais pas si ça vaut encore cher ou pas. Ça a peut-être un peu baissé. Ouais, ça a pas mal baissé. Mais ça fait quand même très plaisir. Très utile pour les SBC. Vous connaissez David Bamos. Allez, une autre pack a fonctionné une fois. Pourquoi pas deux? C'est parti. Pour ce nouveau choix, et on va voir 1,84 haut de garde, c'est cool, on est rentable. Allez, petit menton pack, la mif, c'est parti pour ce nouveau choix. 84, encore une fois, après haut de garde, Mati, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, tour de chaise, les frérots, on y va, on y croit. Pourquoi pas une carte spéciale? Non, par contre, on va avoir Jamie Vardy, et c'est pas une anime, mais ça fait plaisir, un petit 83, on prend également. Allez, pour l'avant-dernier, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, un truc sympa quand même, un minimum? Ouais, ok, NDD, c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, qu'une anime. Allez, on va se faire le dernier ensemble. J'avoue que, bon, sur 15 choix joueurs, je m'attendais quand même un petit peu plus. On a eu quelques petites notes sympas, mais enfin voilà, on a eu qu'une seule animation, pas de carte spéciale. Bon, j'avoue que les fantasy, ça va être dur à choper, donc je suis pas étonné. Mais au moins, avoir plusieurs animations, ça aurait été cool. Et ouais, on termine avec de la grosse merde. Bon, c'est pas grave, il nous reste encore plein de packs. Allez, pack à 25 000 numéro 2. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit peu mieux? Oui. Allez, pourquoi pas une anime? Écossais, DG, ça va être une animation. La deuxième, après David De Gea, on reste du côté des 87 de général, avec Andy Robertson. Bon, écoutez, c'est toujours ça, j'ai envie de vous dire. Hein, ça va être compliqué d'avoir du fantasy, c'est sûr. Mais on est là pour tenter. Et à défaut, double anime en plus de ça, avec Mendy derrière. Bah écoutez, c'est bien l'un des meilleurs packs à 25 000 que j'ai dû ouvrir cette année, hein, clairement. Bon, les frérots, moi je vous propose de partir désormais sur un pack à 35 000. Bah oui, ma foi, il m'a l'air sympathique, c'est les récompenses Playoff Fut Champ, ça. Donc on y va. Allez, pack à 35, on y croit, on n'y sait jamais. Bon, ça va être du régular. Est-ce que c'est une anime français, MC? Pas d'animation, mais au moins c'est un 85 avec Pogba. Toujours mieux que rien, les 85, on va dire que c'est à partir de là où ça vaut un petit peu cher en termes de notes. Donc bon, on prend. Écoutez, on prend. Je vais vous proposer de pas enchaîner maintenant avec ce pack à 50 000 crédits. Allez, nos packs. On sait jamais, on y croit, pourquoi pas voir du Fut Fantasy s'afficher? J'ai vu de la couleur, j'ai espéré, franchement j'ai espéré. Bon, en vrai, ça va être quand même Madsels qui a 84 de général, ici c'est une animation boost, voilà, c'est pas non plus catastrophique, loin de là, c'est même cool, mais putain, quand j'ai vu la couleur, en plus j'ai pas encore découvert l'animation Fut Fantasy, je vous avoue, donc c'est gris comme ça m'a fait penser un peu à la carte, mais non, bon, pour le coup c'est pas le cas. Est-ce que derrière ça peut cacher une autre anime? Non, bon, derrière ça cache vraiment bah, de la merde, mais au moins on a un boost à 84, mieux que rien. Allez, bah là j'ai bien envie d'ouvrir ce pack 5,83+. Alors je sais plus trop comment je l'ai obtenu, mais bon, il est là. Donc ouvrons-le et allez, y est, pourquoi pas, régale un petit peu. C'est parti. Allez, là-dedans, on peut vraiment avoir du lourd. On y croit. Régular, grosse anime. Kimmich, Kroos, Kroos. Ok, Kroos 88. Ok, c'est une belle note. C'est une belle note. À défaut d'avoir du fantasy là-dedans, au moins 88, c'est pas trop mal. Allez, pourquoi pas au moins une ou deux autres animes derrière? Ouais, on a demandé un petit peu trop. Bon, on a tous au moins. Et allez les gars, il nous reste deux packs à 100 000 et 125 000. Donc allons-y pour celui-ci. Vendable, franchement, c'est le moment ou jamais. Fantasy, allez y est. Pourquoi pas? Oh, régular, au moins unanime, au moins une grosse note. Ah non, c'est sérieux, c'est 84. Mais franchement, tu fais playoff, tu fais 10 victoires en playoff et tu tapes jamais rien. C'est quand même assez relou dans l'ensemble, on va pas se mentir. Hein. Et allez les frérots, pack à 125 000 crédits. 84 plus de garantie. Bah, nous, c'est pas du 84 qu'on veut, c'est du fantasy. Allez, allez, pourquoi pas. Enfin, nous offrir du lourd cette année. Bon, ça sera un boost. Ça sera Madsel qu'on a déjà packé, c'est une blague. Aïe, 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 c'est une blague, sérieux, c'est une blague. Bon, bah écoutez, regardons ce qu'il peut cacher, hein, parce que du coup, c'est une anime boost, donc normalement, ça peut cacher du gros régular. J'espère bien, parce que si c'est vraiment l'un 84 en meilleur joueur dans un pack à 125 000 comme ça, c'est. Franchement, je suis déjà désespéré, mais là, je le serai encore plus. Bon. Ok, au moins on a Modric et Busquets. Ok, Modric c'est bien. Modric c'est bien, 88, c'est une très belle note. Et c'est très rare que je le pack d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être la première fois que je le pack cette année, Modric. Bon, écoutez, ça reste un Foders, mais bon. Avec Madsels et Busquets, le pack est pas si catastrophique. Et donc, pour conclure, les frérots, on passe sur les récompenses Rivals avec une carte rouge pour commencer. On y va, on sait pas trop ce que ça peut donner en général, c'est un peu de la merde.
Ouais, c'est pas ouf, on va prendre un petit 85, écoutez, ça finira dans un renfort ou dans un SBC qui demande un peu de notes. Et allez, pour conclure, du coup, on a les packs. Donc on va commencer par ce pack de joueurs rares, c'est full invendable, j'ai pris les récompenses où je suis sûr d'avoir au moins 40 000 crédits parce que, comme vous savez, j'ai pas beaucoup de chance dans les packs, donc je préfère prendre des crédits qui vont m'être utiles pour renforcer ma team plutôt que avoir plein de packs et au final, voilà, choper que des joueurs de merde, même si... J'espère évidemment que dans les deux packs qui nous restent, on va avoir du lourd, on l'espère, c'est des récompenses d'Ivelite. Donc c'est quand même des belles récompenses que je vous propose dans l'ensemble. Après, ça y est, nous régaler. Pack à 50 000, allez, c'est parti les frères, on y croit. Allez, anime, belge, athée, oh Mertens 84, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, c'est compliqué, bordel, cette année j'ai vraiment pas de chance. Oh, bah écoute, au moins on a un petit boost qui traîne derrière, Lee Jansung. Ça fait toujours ça de prix, hein. C'est comme un peu Mad Cells, au moins ça... Ça fait 10k quoi, ça fait 10k même si c'est invendable. Et allez, pour conclure, les frérots, ce pack à 100 000 crédits qui, j'espère, va nous offrir un truc intéressant. Pourquoi pas enfin du Final Fantasy, parce qu'en vrai, pas des packs de ouf, clairement. Mais bon, on sait jamais, c'est parti. Tour de chaison, je vous y crois. Oh là là, bon, régular pour conclure. Français, MG, ça va être Kingsley, au moins c'est une animation 1,86 pour conclure, mais bon. Comme quoi, les frérots, je vous le dis, franchement c'est compliqué, très compliqué d'avoir du lourd cette année. Le taux de drop est horrible, je trouve, dans l'ensemble, et bon là, pour le coup, on a quand même 85 et 84 derrière, donc c'est pas trop mal, mais quand même assez déçu vraiment de ma chance cette année, c'est une catastrophe. Mais bon. Un jour, ça va finir par tomber, j'y crois. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, c'était Yaya, je vous souhaite une bonne soirée, salut les frères.